Lalilou a été invitée à un mariage. Grave, rare. Je le veux. Mon amour, hurrah. Chérie, regarde. Waouh. Beetlejuice. Qu'est-ce que la toile d'araignée va nous apporter? On va bientôt le découvrir. On va aller au workshop. Et voici bébé Astrid. Prends un pinceau. Choisis une couleur. De la peinture acrylique noire. Recouvre ses cheveux. Ajoute du vernis à ongles transparent. Fais-la sécher sous une lampe. Voilà la robe de la poupée. Colore-la. Une nouvelle jupe et des chaussures stylées. Astrid est magnifique. Merci, Lalilou. Maman, papa, je veux jouer. On va aller sur le toboggan, ma chérie. Yes. Laisse-moi t'aider. Yes. Prête? Vas-y, Astrid. Bien joué. Tu peux me pousser sur la balançoire? Oui, c'est parti. Oh, papa, je veux aussi faire un tour. Please. C'est parti. Yes. Je peux emprunter ton vélo? Mais je suis encore dessus. Ah, une araignée. Merci beaucoup. Papa, qu'est-ce qui se passe? Voilà ton nouveau vélo. Waouh, merci. Monte, ma chérie. Vas-y doucement. Aïe. Oups. Ça va? Allez, viens. T'es déjà tombé d'un vélo, toi? Dis-le-nous en commentaire. On va te mettre un pansement. Tu voudrais essayer? Vas-y, Astrid. Oui, regardez-moi. Waouh. Bien joué, ma petite. On t'aime, ma chérie. Lalilou! C'est bientôt la fête. On a besoin d'un gâteau. On va prendre les ingrédients. On verse la farine, un peu de lait, on mélange la pâte. Génial! Maintenant à notre tour. On a besoin de papier mousse. Pilez en forme d'anneau. La couche supérieure. Maintenant le deuxième étage. Comment on va le décorer? Utilise de la colle chaude. Fais des couleurs. On va les peindre en vert. C'est la couleur parfaite. Maintenant, place au glaçage. Ça a l'air incroyable. Et la partie la plus importante, la figurine d'Astrid. C'est l'heure de faire la fête. On doit finir les décorations à temps. On va mettre ça là. Qu'est-ce qui lui plairait? Je sais, des ballons. Parfait. On va décorer la pièce. Accrocher des drapeaux et des chauves-souris. Maintenant, tout est prêt. Beetlejuice, Astrid. On est là. Yeah. Ma chérie, on a une surprise. C'est quoi? Je veux voir. Ouvre les yeux. Joyeux anniversaire. Hurrah! Ouah, regarde toutes ces décorations. Oui, c'est ma fête. Fais un vœu, ma chérie. Je veux une petite sœur. Beetlejuice. Oh, son vœu s'est réalisé. Quoi? Je vais encore être papa? Youpi, je suis trop contente! Petite farceuse. Oh, le bébé donne des coups de pied. Assieds-toi, ma chérie. Oh, c'est quoi ça? On va regarder. Voici la petite Bitsy. Que la transformation commence. Où sont mes cheveux? On va couper de la mousse. Transforme-la en mèche. Colle-la sur sa tête. Je vois rien. Je vois toujours rien. Oh, t'inquiète pas. Peins ses yeux. Choisis du tissu. Ses rayures sont parfaites. Coupe-le avec des ciseaux. On va faire un gilet. Et une tétine violette. Le bébé est prêt à rencontrer sa maman. Elle est adorable. Elle te ressemble tellement. Mais elle est jolie comme toi, notre petite Bitsy. Je peux la voir moi aussi? Maman, papa! Regardez ce que j'ai dessiné! Vous avez vu? Ouais, une minute. C'est notre famille, vous m'aimez plus? Hein? Personne fait attention à moi! Numo! Oh! Oh!
Astrid pleure? Où est-elle? Mmh. Ma chérie, qu'est-ce que t'as dessiné? Lydia, regarde ça! Waouh, c'est super beau! Salut Bitsy, t'es trop mimi! On va l'ajouter sur ton dessin. Oui! Yeah. Maman, papa, Astrid est ma petite sœur! Yeu, notre portrait de famille! Wow. Bob! Bob! Hey. Agra? Tu peux accrocher mon dessin? Agra! Garuda? Hein? On doit calmer le bébé. Où est sa tétine? Hein? Astrid, tu dois partager! Hey. Mais papa! Pose-la pour la sieste. Yeah. Va ici, ma chérie. Hé, Bitsy, tu veux jouer au chat? Je vais te rattraper, oui! Oups! Maintenant, je suis une ado. On va choisir un nouveau look. T'aimes quelle couleur? Le rouge. Teint des rayures. Coupe le tissu soigneusement. Une nouvelle robe. Ajoute une ceinture. On va accrocher une chaîne. Ajoute un leggings, des chaussettes roses et des chaussures confortables. Ça me va bien? C'est génial! T'es prête? Merci beaucoup. Il est temps de me détendre un peu. Ma chérie, t'es là? J'ai un petit job pour toi. Bob! Apporte-les ici! C'est les vieux jouets d'Astrid. Triez-les, les filles. Mais ne vous battez pas. Mes jouets? Youpi! Ils sont à moi maintenant! Tous ces jouets! Hé! Hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis un ver de sable! Je l'aime bien! Wouhou! Arrête! Rends-le-moi! Pauvre Mr. Worm! Maman est là! T'es trop vieille pour avoir des jouets! On devrait lui demander ce qu'il en pense. Tu vas rester avec moi? Non, il est à moi! Lâche-le! Il sera mieux avec moi! Yes. Les filles, faites attention! Rends-le-moi! Oups! Le jouet s'est déchiré. Non, Monsieur Worm, mon jouet préféré! Les filles, qu'est-ce qui se passe? C'est sa faute! Non, c'est elle! Ah, vous vous battez encore! Ouf. Je vais arranger ça. Yes. Vous aurez chacune un mini-jouet. Oh. Vous battez pas, vous êtes sœurs! Astrid, t'as tout préparé pour l'école? Oups, attends, je vais faire mon sac. Hey. Je peux mettre ça? Mmh. Non, non! Tu as besoin d'un uniforme. Prends du tissu noir. Dispose les motifs. Prends des ciseaux. Découpe les pièces. Quel blazer stylé! Quelle couleur on devrait choisir? Dis-le-nous en commentaire. Du rouge! Peins les bords. Découpe le tissu. Brûle les fils qui dépassent. Une nouvelle jupe! Et la fameuse cravate! Astrid, essaie ça! Une minute! C'est parfait! Merci, la Lilou! Amazing. Nous y voilà! Passe une super journée, ma chérie! Je veux y aller, moi aussi! Pas question! Stop. Excellente idée! Astrid, occupe-toi de ta petite sœur! Youpi! Pas encore! Au revoir, les filles! Hourra! Vive l'école! Pourquoi moi? Reste pas si près de moi! Ah, regardez-la! Ah, elle a emmené un bébé avec elle! C'est pas une garderie, ici! C'est une nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Un sac à dos noir? What? Tellement démodé! Regarde un peu mon sac! T'es une fan de Mercredi? On va t'aider à se débarrasser de ce truc. Qui est là? J'ai entendu quelque chose de flippant. Moi aussi. Un fantôme! Qu'est-ce qui se passe? C'était moi. Merci, Bitsy, tu m'as sauvée. Désolée de pas avoir voulu t'emmener. On y va? Il est temps de grandir. C'est mieux. Prends ces mesures. Du tissu rayé, plie-le en deux. Coupe-le avec des ciseaux. Choisis du fil. Le noir, coupe-le à la main. Coupe le coin. Un nouveau pull.
et une jupe fluide. Ajoute une ceinture et un col blanc. Dans ses bottes. Enveloppe une chaîne autour de sa taille. Merci, Lalilou. Le temps passe tellement vite. Je dois filer, Jérémy va bientôt arriver. Yeah. T'es où, chérie? Tu me manques. J'ai hâte de te voir. Je suis là, mon amour. Yeah. Enfin! Chichichi, les tourtereaux! Wow. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Mm-hmm. Vous voulez grignoter un bout? Hey. Ouais, merci. Voilà de la pizza. Yeah. Faites de la place, je vais vous rejoindre. T'as pas des devoirs à faire? Hein? On en a pas reçu. Oh là là, les ados de nos jours. Oh. Laisse-moi t'aider. Elle est pas très fan de toi, on dirait. Je vais arranger yes. ça. Yes. J'ai une idée. Yeah. Ça fera l'affaire. C'est super beau. J'espère que ça va aider. Toutes les filles aiment les fleurs. Litsi, yeah. c'est pour toi. Look at that. Oh. Et pour moi? What? Ta limonade préférée. Yes. D'accord, j'imagine que ça fera l'affaire. Je vais mettre les fleurs dans un vase. Okay. J'ai failli oublier. On se retrouve au parc. Coucou, mon Minou. Elle est là. Oh. Il est temps de la surprendre. Minou, viens par ici. T'es trop mignon. Astrid va adorer. Chérie, c'est pour moi? Ouais, veux-tu m'épouser? Hein? Bien sûr, ensemble pour la vie. Jérémy, quoi de neuf? Et qu'est-ce que c'est? C'est pour Astrid? C'est pas du tout son style. Non. Lalilou, Lalilou, Lalilou! Il est temps d'arranger ça. Monsieur Scal, on peut emprunter ton chapeau? Voilà. Dessine un modèle. Coupe-le avec des ciseaux. On a plein d'ailes. Sculpte un visage. Ajoute des yeux. Et un ventre tout doux. Attache les pièces ensemble. Vite, voler vers Jérémy! Hé, par ici! Plus près, plus près! Chérie, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Yes. On est bientôt arrivés? Tu peux les ouvrir maintenant. Waouh, c'est tellement parfait! Assieds-toi. Yeah. Veux-tu être ma femme? Oui, je le veux! Je t'aime. Il est temps de commencer à planifier le mariage. Yeah. Lalilou, tu peux m'aider avec ma robe? Pas de soucis. Tu penses quoi de ce tissu? C'est pas mon style. Celui-ci est mieux. Parfait. Découpe-le soigneusement. Essaie cette jupe. Mets des manches. Ajoute des paillettes. Prends du tissu argenté. Essaie ce corset. Voilà ton bouquet. Papa, je suis prête. Yeah. Allons-y, ma chérie. Beetlejuice accompagne Astrid jusqu'à l'hôtel. On peut commencer. Yeah. Bob, où est la musique? Oh! La mariée est superbe. Me voilà, mon amour. Oh, t'es tellement belle. Toi, le marié, prends-tu Astrid pour ta légitime épouse? Oui. Et la mariée? Bien sûr! C'est tellement touchant! On était comme eux plus jeunes. Vous pouvez embrasser la mariée. Jérémy, parle de toi. Hey. Il est ébloui par sa beauté. Oh. On dirait que le marié a bugué. Allez, embrasse-la maintenant. Hey, you. Je t'aimerai pour toujours. C'est tellement romantique. Où est le gâteau? Quand est-ce que le gâteau arrive? Ooh. 1, 2, 3. What? Bientôt, ce sera mon tour. Et voilà les cadeaux. Look at that. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il est temps de déballer ça. C'est un œuf. Marque-le. Ajoute une bordure. Et un nombril. Nous, un ruban en satin. Astrid, viens ici! On attend un nouveau membre dans la famille? Surprise, surprise! Wow! T'es adorable! Thank you! Maman et papa vont bientôt arriver. Yeah. Ils vont adorer cette yes. grande nouvelle. Nous voilà! Hello. C'est quoi la nouvelle? Huh? Tada! On va avoir un bébé! Quoi? Je vais être grand-père? Hourra! Félicitations, ma chérie! Hihihi, je vais être tati. Mimi? Oh, papa. On ne connaît pas encore le genre du bébé. Mais on dirait qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps. J'ai une livraison spéciale pour vous. Je pense pas que celui-ci soit le nôtre. Oups, c'est pas le bon. Voilà votre bébé. Je dois m'envoler vers la prochaine famille.
Livraison de bébé. Coucou maman. Waouh, ma jolie Pinky, on va rentrer à la maison. Mon cœur, j'ai une grande nouvelle. On est parents. Quoi? J'y crois pas. Voici notre petite fille, Pinky. Tu veux que ton papa te prenne dans les bras? Mon chou, où je vais te mettre? Ah ah! C'est bizarre. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, j'ai une idée. Attends-moi là. Ça, c'est un beau berceau. Chérie, tout va bien? Yes. On peut dire que c'est original. Ouais, mais c'est dangereux. On va tout de suite arranger ça. Un peu de magie. Et voilà! Waouh! Maman est géniale! Le rose, c'est ma couleur préférée. Il y a plein de jouets en plus. Et tout est à moi! C'est un miracle. Bien sûr, ma chérie. C'est l'anniversaire de Pinky. Où est la reine du jour? On est venu féliciter la petite fille. Merci! Waouh, tous ces cadeaux! Qu'est-ce qui se passe ici? Oups! J'ai oublié la fête! Qu'est-ce que je vais prendre? Mamie pourrait avoir besoin de ça. Lalilou, tu peux aider la vieille dame? Sa petite fille a besoin d'un cadeau. Bien sûr! Coupe un morceau. Waouh, une étoile! Ajoute des paillettes. C'est une baguette magique. Un cadeau spécial pour Pinky. Merci, Lalilou. Ma petite fille, c'est pour toi. Wow. Merci, grand-mère. Mais j'ai personne avec qui jouer. Cette baguette est spéciale. Elle est magique. Vraiment? Yeah. Fais-moi voir. Je veux un vrai poney. Waouh, il a apparu. Wow. Pinky, il est temps de souffler tes bougies. Un gâteau! Je veux qu'il soit 3 fois plus gros. Waouh! C'est lourd! Oh non! Chérie! Maman, à ton tour! Je veux une sœur. Incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ventre! Je comprends pas, qu'est-ce qui va pas? Oh, on va avoir un autre bébé? Oui! Trop cool! Pinky est une sorcière! Oups! Je dois filer! Lalilou, le bébé va bientôt naître! Bienvenue, Lily! Utilise un pinceau. Prépare la couche. Snap, snap! Attache les côtés. La petite sœur de Pinky est hyperactive. Bébé, mais qu'est-ce qui va pas? Tu veux jouer? Oui, maman! Je sais que tu vas adorer ça. Un spectacle de marionnettes. Regarde, des animaux. Maman! T'en dis quoi? Oh oh! Je sais, tu devrais aller te reposer. Dodo, l'enfant d'eau. Célestia dort. Et Lily alors? Frangine? Y a quelque chose qui ne va pas? Chut, pleure pas. Hé, hey, bébé, tu veux t'amuser? Une maison de poupées. Une piscine à boules. Viens avec moi. Quel rêve! Où est le bébé? Ma fille a disparu! Ouais! Alors, alors? Oh! Elle est avec toi, Pinky. Il y en a une qui doit grandir. Allez, viens, chérie. Lali Magic. Tadam! Trouve du tissu. Coule. Mets-lui la jupe. Et des chaussures stylées. Fais-lui une queue de cheval. Et bien sûr, une corne. Nice. Pinky est une ado. Merci, Lalilou. J'adore passer du temps avec ma sœur. Oh, elle est où? Oh, Lily, tu m'entends? Je suis là, Pinky. C'est le moment de manger une glace. T'entends ça? Quelqu'un appelle à l'aide! C'est un chaton! Dépêchez-vous! Je vois rien! Où il est? On va le trouver. Il est pas là. Et il n'y a rien ici.
Peut-être dans les buissons? Je l'ai trouvé! Il est dans l'arbre! J'arrive! Oh oh! C'est trop haut! Utilise ta baguette magique! Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Fluffy, tiens bon! Voilà le nuage sauveur! Allez! Cool! Le chaton est sauvé! Oh, t'es trop chou! Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Pourquoi on ne ramènerait pas à la maison? Neige! Hé, hey, Minou, Minou! Viens ici! Ah, te voilà! Waouh! Tu es beau! Waouh! Ça te dit qu'on fasse connaissance? Tu veux sortir avec moi? Je dois vite me préparer! La Lilou! Fabrique une trousse à maquillage. Il nous faut un morceau de plastique. Choisis des paillettes. Verse-en. Prends le gel. Plus de paillettes. Fais sécher sous la lampe. Voilà! Ferme la boîte. Décore-la avec un strass. On va pouvoir se faire une beauté! Justin arrive! Qu'est-ce que je vais faire? Je suis absolument pas prête! Je vais avoir besoin d'une trousse à maquillage. Qu'est-ce qu'on a là? Oh oui, de la poudre! Je vais en mettre sur les joues. Juste encore un peu. Pinky, on peut faire un jeu? Je vais à un rancard. Moi aussi, je veux! C'est encore trop tôt pour toi. Tu vois, t'es encore petite. Qui? Moi? Tu vas voir. Peut-être que je devrais choisir celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux venir avec toi? Je suis grande maintenant. Wouhou! C'est marrant. Regarde, je gère trop. Lily, tu vas rester à la maison. Ah ouais? Eh ben t'es plus ma sœur. Prends ça. Et prends ça aussi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Les filles, c'est quoi ce bazar? Vous êtes toutes les deux punies. Non, maman! Je suis désolée, Pinky. Chérie, sors de là! Oh, qui c'est? Oh non, Justin! Il attend déjà sa dulcinée. Ma mère veut pas me laisser sortir. Tu veux t'enfuir avec moi? Waouh, vraiment? Je vais tout dire aux parents! Pourquoi on passerait pas un petit marché? Yes. Dépêche-toi avant qu'elle change d'avis! Miam miam, des bonbons! Ils vont avoir besoin d'un casque. Utilise une lime. Forme un nez. Direction la lampe. Dessine les yeux. Ajoute des sangles. C'est à la fois stylé et parfait pour se protéger. Et voilà, tu veux faire du skate? J'en ai jamais fait. Bah, je vais t'apprendre. Foufou, c'est une question d'équilibre. Ouah, cool! C'est rien de compliqué. J'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Je vais le fermer. Je vais faire du vélo. Attention, j'arrive. Wow, attends-moi! Qui est le plus rapide? Écris-le dans les commentaires. J'ai gagné. C'était sympa. Tu veux grignoter un truc? J'étais la première. Je suis là depuis longtemps. Moi, d'abord. Va-t'en! Pas question! Tu cherches les ennuis? Oh, regarde! De la barbe à papa. Les filles se disputent. Il faut les aider à se réconcilier. Voilà. Waouh! Fantastique! On se mariera quand on sera grand? La Lilou, il faut que je devienne adulte tout de suite! Qu'est-ce qu'on attend? Lali, cadabra! Oups! C'est quoi ces cheveux? Voyons voir. T'as raison. Et ici? Ouais, merci. Il manque quelque chose. Choisis d'autres couleurs. Maquille ses lèvres. Cette tenue est démodée. Quel type de papier mousse on va prendre? Le rose. Prends du tulle. Place le patron dessus. Et voilà! La jupe est prête. Resserre-la. Les cœurs scintillent. Elle est magnifique. Tu penses quoi de ces chaussures?
Elles sont incroyables. Et c'est pile ma taille. Merci, Lalilou. Tout le monde va adorer la tenue de mariage de Pinky. Hein? Lily va être trop jalouse. Exo, exo. Rien n'est encore prêt? On va arranger ça. Waouh, mais comment t'as fait ça? Pinky est une licorne pas comme les autres. J'ai tellement de chance. Votre attention, la cérémonie est sur le point de commencer. Elle aurait pas pu choisir un voile plus court? C'est enfin le jour J. Oh, je suis tellement heureux. Je peux pas retenir mes larmes. C'est trop mignon. Ne regarde pas. Acceptez-vous de devenir mari et femme? Bien sûr. Oui. Ensemble pour toujours. Waouh! Ferme les yeux, Lily. Papa, je suis assez grande. On est une famille maintenant. Je t'aime, Pinky. On va avoir besoin d'une piñata. En du papier ondulé. C'est la couleur parfaite. Il nous faut un petit morceau. Fais des entailles. Colle les lanières. Super! Il manque la crinière. Décore-la avec des étoiles. Lalilou est magique. Accroche-le à une ficelle. Je suis là pour la baby shower. La piñata est prête. Maintenant, on va connaître le genre du bébé. Ce sera une fille. Non, c'est un garçon. Je peux casser la piñata? Je veux le faire. Pinky, qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, sœurette. Ouais, c'est parti. Allez, j'ai réussi. Ouais, on va avoir une petite fille. Félicitations. Oups, mon ventre gargouille. Papa a faim. C'est l'heure de manger. Je vais mettre la table. J'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? Et si on l'ouvrait? Vous allez adorer. C'est... une fille. Ma chérie. Et si on l'appelait Ashley? Surprise! Écartez-vous. Laissez Tata le porter. Oh my! Et ça, c'est pour toi, sœurette. Please. Au revoir, Célestia. Maman! Que je suis amoureux. Lalilou, peux m'aider à préparer un cadeau? Prends une fleur. Prépare-en plusieurs. Waouh, un bouquet! Ajoute une rose bleue. Utilise un ruban. Enveloppe la boîte. Prends des grains de café. Fais des boules. Couvre-les de glaçage. Il y a des chocolats pour tous les goûts. Emballe les friandises. Excellent! Luna va adorer. Merci, maintenant je vais forcément la séduire. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Tu veux qu'on sorte ensemble? Trop chou! Je vais me préparer. Je t'attends dehors. N'importe quoi! Pourquoi j'aurais besoin de ça? Ça se mange pas. Des roses? Ça sent bon! Elle est comme son père. Qui a fait ça? Ta fille. C'était pas moi. Tu es punie. Mais je dis la vérité. Pleure pas, ma chérie. Viens avec moi. Ton jour de garde. Va-t'en. Viens, ma chérie. C'est pas juste. Lalilou, j'ai besoin de grandir. On va t'aider. Super. Prends un patron. Détourne-le avec une ligne en pointillé. Plie les bords. Et ça, c'est haut. Enfile une aiguille. Décore sa jupe avec une ceinture. Ajoute une fleur. Prends des strass. Colle-les sur le tissu. Utilise un pinceau. Ashley est maintenant ado. Merci, Lalilou. J'ai dessiné notre famille. Par garde. Oh, Luna. Pas, je suis là. Hey. Pas maintenant, Ashley. No. J'ai travaillé si dur. Tout ça pour rien. Il m'aime pas du tout. Pleure. Personne n'a besoin de moi. Viens avec moi. Yeah. Au.
On en achètera des nouvelles. Que c'était? Hein? On a besoin d'un médecin et vite. Aha. Tu vas bien? Kilia? Hein? On a besoin de tabliers. Ok. On va les fabriquer. Prends du tissu. Rassemble-le. Ajoute des bretelles. Et voilà le deuxième. Dessine un cœur. Colle-le devant. Ajoute un joli imprimé. Prends un élastique. Tu vas cuisiner quoi? Des biscuits? Regarde ce que j'ai là. Maman, super! Quoi, on commence? On va faire la pâte. Let's go! D'abord, la farine. On ajoute du lait. Maintenant, on la coupe en morceaux. Waouh, des bonbons! Oups! Qui s'est passé? Je vous tiens. Je vais gâcher leurs biscuits. Rien qu'un tout petit peu. Elles arrivent! On va les faire cuire! Vite, je vais y goûter! Qu'est-ce qui sent si bon? Des biscuits! Mes préférés! Yum. Au chocolat! Jack, fais pas ça! J'en veux d'autres! Et ceux-là aussi! Il reste plus rien! On va en faire d'autres! J'ai mal au ventre! Qu'on y aille! Bye, maman! Tu vas me manquer! On a besoin d'une tirelire. Fais une fente. Elle sera mieux en rose. Choisis une paille. Coupe-la avec des ciseaux. Ajoute des pieds. Et des oreilles mignonnes. Maintenant, le groin. Ajoute une queue. Utilise une perforatrice. Parfait! Et voilà la première pièce. Tu penses qu'Ashley va réussir à économiser pour son rêve? Un Lalicène de plus. Tirelire est presque pleine. Je vais pouvoir m'acheter un vélo. Je dois aller au centre commercial. Ok, prépare-toi. Vous allez où? T'es un vélo. C'est mon rêve. Et mon rêve, c'est d'avoir une nouvelle robe. Luna, on y va. Tellement de choses ici. Y a rien qui me plaît. Celui-là, je le veux. Le choix est évident. Qu'est-ce que je fais? Une robe ou un vélo? Pas, tu m'as promis. Please. On ne peut pas se permettre d'acheter les deux. Trop sera à moi. Donne-moi ta tirelire. J'en ai plus besoin que toi. Mon cochon! Maintenant, cet argent est à moi. Je l'achète. Attends-moi. J'adore faire du shopping. On achètera ton vélo la prochaine fois. Kit de couture, c'est indispensable. Dessine des ciseaux. Plie soigneusement. Une épingle sera utile. Rassemble des bobines. Enroule du fil autour. Parfait! Fais un coussin. Coupe le bout de l'épingle. Tous les accessoires dans une boîte. Colle une étiquette. Ferme la boîte. Ce sera parfait pour se venger de Luna. Ça suffit, j'en ai marre! Méchante belle-mère, je vais me venger! Je sais. Voyons voir. C'est pile ce qu'il me faut. Elle va adorer. Pour mon vélo. Ça fait longtemps qu'elle a besoin qu'on lui donne une leçon. Et je repose tout comme si de rien n'était. Cache l'épreuve. C'est ma plus belle robe. Je vais la mettre. Jack, de quoi j'ai l'air? Qu'est-ce que c'est? Mais chérie, il y a un trou dedans. What? Plaisante! C'est vraiment ta plus belle robe? Je sais qui a fait ça. Ashley, viens ici. C'était un accident. T'es punie. Yes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. J'emmène Ashley. J'espère qu'on va pas trop vous manquer. Je vais garder un œil sur elle. Et si on fabriquait un ballon? Prends une partie. De la pâte à modeler. Pomme ne nous échappera pas. C'est la tête. Lisse la crinière. Dessine les yeux. Couvre-le de vernis gel.
Prends du fil de fer. C'est le ballon. T'as un cadeau pour Ashley. Thank you. Tiens, un poney. Regarde, de la barbe à papa. On peut en acheter? Bien sûr, chérie. Tiens. On continue? Elles sont là? On dirait qu'il n'y a personne. Je vais en mettre plein dedans. J'espère qu'elle mordra à l'hameçon. Je dois juste attendre. Un lali dollar? Oups! Maman, aide-moi! Je vais l'attraper. J'arrive, Ashley. De l'argent? C'est mon jour de chance! Il est à moi! Jackpot! Cool! Jack! Il y a un problème! Qui s'est passé? C'est elles qui t'ont piégé. Je m'attendais pas à ça de toi, Célestia. Ashley, on rentre à la maison. Mais c'était pas nous! Ne l'écoute pas! Goodbye! J'ai de la fièvre. Ashley est malade. Allô, l'ambulance? Elle est déjà en route. Change son look. Par un patron. Coupe les pièces avec des ciseaux. Coulez avec des fils. Prends du papier mousse. Ajoute un col. Et voilà! Attache un badge. Je vais venir l'aider. Puis un médecin? Ma fille est malade. C'est moi, maman. Comment on va la guérir? Tu devrais prendre ça. C'est une choupa choups. Elle a un goût bizarre. Pas une sucette? Et t'es pas médecin? Jack, regarde! C'est Célestia. Va-t'en d'ici. Oh, Teddy. Tu joues encore? Papa m'a dit que j'avais le droit. T'interdis. Donne-moi ça. Pas de jouet pour toi. Quelle méchante belle-mère! Pleure pas. On a une idée. Prends du tissu doux. Prépare les moitiés. Tu auras besoin d'une machine à coudre pour la suite. Prends un objectif. Et un œil. Remets la tête en place. Corse son cou avec un nœud. Le nounours avec sa caméra de surveillance permettra de piéger Luna. Peluche! Maintenant, au travail! J'allume la caméra. C'est l'angle parfait! Ashley, t'es là? Good! Ça devait être mon imagination. Luna manigance quelque chose. Prends ça! Et voilà la preuve! C'est le moment de faire une pause. Maman, papa! Passe, Ashley. Luna est méchante. J'ai tout filmé. Fais voir. Regarde, tu me crois maintenant? J'avais tellement tort. Tu m'as menti. Pardonne-moi. Maman! Luna, mais pourquoi t'as fait ça? Moi aussi, je veux une famille. Je suis désolée, Luna. Et si on commandait une pizza? Allô, la livraison? Ta commande! C'est une pizza à quoi? Aux anchois. Préférée. Hé, Frangine! J'ai une nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. J'attends un bébé. Je vais être maman. Waouh! Tu veux qu'on découvre le genre du bébé? Une pizza rose! Tu vas avoir une fille! À mon tour. Tu veux y goûter? Tu vas avoir un garçon. Prends un flacon de paillettes. Vide-le. Remplis-le de solution. Des roses. Prends-en une. Cette potion est idéale pour faire pousser les cheveux. Luna! Je vais prendre une douche. Ta commande. Où est le shampoing? Le voilà. Il sent super bon. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Mais c'est la première fois que je vois cette bouteille.